Oh GG Wolf. Oh c'est beau ça, la petite manœuvre et tout là. Ils t'ont même pas tiré dessus? Non, j'ai pris celui qui était le plus bas dans le virage. T'es sur la piste? Ouais. Ok, j'arrive. Et tu veux me dire que t'as pas de place? Ouais, si t'as de la place. Ah, tu sais qu'il me faut énormément de place hein, pour moi. Non, mais ça y est, il y a de la place derrière. Bon, les copains, comme vous voulez pas sortir, et on va y aller qu'à deux. Hein? Je sais pas ce que vous foutez là. Nous, on va y aller qu'à deux. On a des bombardiers à abattre qui se dirigent vers 40 ans. Donc, souhaitez-nous bonne chance. À plus tard. Ou à jamais. Ce qui est probable. Ce qui est fort probable. Bon, je vais essayer de bien me mettre. Si tu veux qu'on Faut fasse. qu'on essaie de les avoir. De quoi? Faut qu'on essaie de les avoir par en dessous, ils ont pas de mitrailleur en dessous. Non, c'est bon, je t'ai vu derrière, là, on est extérieur. Ouais, attends, attends. Hop. Attends, attends, je t'ai su pour rentrer dedans encore. Attends, Attends, je c'est bon, ralentis. la queue. Ah bah elle était mise. Comment ça pouvait tourner avec la queue mise? Ah merde, j'ai perdu toute la température. Attends, comme ça, ouvert. Ouais. À quel moment, enfin, quand est-ce que tu sais que la roue arrière elle est bloquée? C'est quand tu... Quand c'est vers l'avant et Ok. la petite boule en bas là. Ouais, bah écoute, j'ai réussi à tourner tout ça, donc je sais pas. Non, moi je suis bon là. Je crois que je suis bien Non, là. J'ai de j'essaie de pas péter. l'essence. Ah, pardon, je rentre dans mon corps. J'ai de l'essence. Ça a l'air d'être bon. Je te suis, tu me dis quand tu pars et. Bah, je remets un petit peu en préchauffe et. On va essayer de décoller proprement. Moi, je vais essayer de te suivre. Donc, du coup, on va à droite là. À gauche, on part vers le sud. Ok. Je peux regarder ma carte. Je lâche les freins. Oups. Oh non, 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 non. Take off! Ah, je te vois, Wolf. Bah, j'espère, oui. Attends, par contre, je pars beaucoup sur ta gauche. Bon, c'est pas grave, je vais continuer ma boucle sur la gauche. Et je vais ralentir un petit peu. T'es dans mes 6 là? Non, plutôt dans T4 pour l'instant, peut-être 5. C'est déjà ça. Donc au niveau de l'altitude, quels sont les renseignements, mon cher Wolf? Comme tout à l'heure, inchangé. On Donc... perd à 40 ans et voilà quoi. Putain, mais t'es à quelle vitesse déjà là? J'ouvre ma carte, je suis à 400 là. Attends, je vais réduire. Je vais réduire. J'ouvre ma Où tu carte. pars? C'est à gauche, on part à gauche. Ok. C'était là où il y a un max de fumée et les incendies, c'est dans le coin là-bas. Ah, ils ont déjà commencé le barbecue. Ah, exact, visu. T'as tourné ou quoi? Parce que j'ai regardé 2 secondes Ah l'allume et oui, j'ai pas perdu. tu... J'ai fait une boucle à gauche, là, ça y est. Putain, c'est plus une boucle que t'as fait. Merci pour le follow, Yekaru. Ah oui, ils ont déjà commencé à bombarder la zone, hein. Du coup, j'ai pas spécialement à citer là. T'es plus haut dans mes 10, beaucoup plus haut. Moi, je redescends. Je les vois. Ils sont dans mes midis, pas loin.
Bon, si tu les vois, je devrais les voir. Normalement, oui, hein, entre les deux, c'est toi l'œil de lynx. T'as raison. Toi, tu fais œil de lynx et moi, je fais langue de pute. Hein. C'est quoi ça? Tu connais pas cette expression? Non. Œil de lynx, langue de pute. Ah, langue de pute, je crois que t'as dit l'homme Oui, de pute. langue. J'allais dire, c'est quoi ça? Ah non, non, pas l'homme. Ils sont au-dessus de 40 ans là pour toi? Ah mais attends, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, c'est lequel? C'est celui-là. Non, non, ils ont dépassé 40 ans là. Et donc là, ils repartent vers. Ils ont continué vers l'ouest encore. Enfin, pour l'instant. Par rapport à l'estuaire là, elles sont où? Et bah, ils sont à l'opposé, ils sont partis vers l'ouest. Ils partent de l'estuaire en passant au nord de 40 ans vers l'ouest, un peu plus loin. Ils font demi-tour et ils reviennent par le sud de 40 ans en direction de l'estuaire. C'est pas faux. Pas fort. Tu me vois encore ou pas là? Ah non, moi je t'ai lâché, hein, je les suis. Je suis à leur cul là. Bon, je triche, hein, les amis. Hein. Attends, je vois rien du tout avec tous ces logos là. À l'opposé, toi. Toi, tu pars vers l'est. Nous, on part vers l'ouest. Ah oui, non, mais c'est vrai que le truc allemand là, la boussole elle est. Ah putain! Oui, les indications sont fixes, c'est l'avion qui bouge. Ça y est, ils sont en virage, ils vont revenir vers toi. Non, c'est pas ça, c'est le haut, c'est est. C'est ça? Non, en haut c'est le nord. Si tu touches pas, en haut c'est le nord. Non, mais Mais tout à du l'heure coup, j'ai touché ma boussole. du coup, c'est ton avion qui bouge. Ah oui, tu veux dire le haut, oui, la lettre Ouais, c'est O. ça, la lettre O, ouais. Oui, affirme. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. C'est correct. Mais tu sais quoi, sur la carte, je me suis même pas vu. Ah si, je suis là. Ah bah oui, laisse tomber, je suis super loin. Par contre, il y a d'autres One B10. down, one Il y a down! des B17 qui arrivent vers. T'en as tué un? Affirme. Bah le 30 mm, ça fait mal, hein. Oh le chacal! Bon, du coup, je vais mettre un peu de gaz là parce que. Je crois qu'ils ont pété la formation, non? Ouais, je crois que ça leur a pas trop plu là. Putain, il fait tout pour m'en mettre une, hein, lui. Touché. Oh putain, il m'a tué le pilote encore. Oh merde. Mon avion est tout seul, abandonné. Bon, ça n'a pas duré. C'est ton avion ça? Qui vient de crash là? Non, il a pas touché le sol encore. Non, c'est sur tes 9h, 10h. Ouais, Regarde la petite fumée sur tes 10h là-bas au loin, ça doit être celui-là. C'est ça que je vois, ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, ils sont là-bas, ils sont sur. Ah, mais t'as pas spécialement le cap. Tu prends un cap 200, tu vas retomber dessus. Enfin, peut-être que t'es parti, vise du 170. Allez, vas-y, tourne, hein. Tourne, tourne, tourne. Tourne à gauche. Là, tu peux aller plein sud, hein. Ah, je les vois pas. Hein. Ah, je vois les flaques qui tirent. Enfin, qu'est-ce qui tire au-dessus de 40 ans là? Ok, ça y est, je les ai en visu. Certainement. Ça y est, je les ai. 3, il y en a 3 là. C'est ça. Du coup, je vais prendre un peu de vitesse pour les rattraper là, hop.
Bon allez, faut que j'essaie d'en avoir au moins un. Putain, il y a moi que ce soit le B17 ou le E là, les A20, à chaque fois ils m'ont désingué le pilote. Ouais, comme par hasard, il part sur la gauche. Oh, le premier, celui qui est en tête, il m'a vu direct. Calmez-vous. Ah, je les ai dépassés sans le vouloir. J'allais trop vite. Je crois que j'ai pris cher. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris cher. Ça trempe de partout. Ouais. T'as pas perdu de morceau. Par contre, là, tu vas prendre cher. Hein. Là, j'en ai un qui est dans le dos, là. Ouais, t'en as un dans tes 6, c'est là qui te prend en chasse. T'as intérêt de t'en dégager. Ah, ils sont même deux derrière. Hein. Ah. Ils sont dans tes... Oh, j'ai tout 4. Qui trempe dans le cockpit. A priori, je vois pas de morceaux qui manquent. Hein. Bah, t'as des traces d'impact, mais t'as pas de morceaux manquants. Ok, je sais pas, y a tout qui tremble dans le cockpit. Vous êtes où là? Tu m'avais dit d'arriver par en dessous, mais je suis arrivé beaucoup trop vite. Du coup, j'ai même pas pris le temps de piquer ou autre, quoi. Enfin, de piquer, de monter directement sur eux. Du coup, je les ai perdus. Il retourne sur 40 ans. 40 ans. Ouais. Ah, ça y est, attends. Non, c'est... Tu vois, c'est ça qui. Après, je sais pas encore si ça va être implémenté ou pas, mais tu vois, sur le The Channel, du coup, t'as. Un truc qui va pas. T'as 4 ou 5, tu sais, les stations radar anglaises. Les. Comment ça s'appelle? Les Chain Home, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais a priori, tu peux pas t'en servir comme détection. Parce que là, c'est ce qui nous manque un peu aussi. Y'a Matt qui m'a dit de réduire les gaz. Parce que là, y'a rien qui va, tout va péter. Ça tremble. Ah, faut le tenir là. Du coup, ils sont où? Oh, c'est excellent. C'est la démonade dans le cockpit là. Je crois que je vais perdre un morceau. Ils sont toujours tous les trois? Bah écoute. Oui, oui, ils sont tous les trois en formation. Est-ce que j'ai pété une hélice? Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans l'avion là. En tout cas, ouais, c'est. Ça fait peur. Ouais, on va prendre un peu de vitesse. Ouais, c'est le moteur, on est d'accord, Matt. Mais regarde, mon compteur il est à 500 et je vole pas à 500 là. Clairement, je suis pas à 500 là. Bon, où est-ce qu'ils sont quand même? J'ai pas dit mon dernier mot. Ça sur ma droite. Allez, t'en descends deux, j'en descends un dernier, c'est bon, c'est réglé. Ah, attends, là, vu comment je suis parti, Wolf, j'ai rien descendu du tout. Tu te rends compte que c'est celui qui était le plus loin qui m'a vu, quoi. Le premier.
Ah, mais les tireurs, ils sont abusés. Vous êtes où? Parce que j'ai vu que vous étiez parti vers l'ouest. On se dirige vers l'essai sud-ouest, là, continue sud-ouest. Ah, on est en train de faire une boucle à gauche, du coup, il retourne vers 40 ans. En fait, c'est à peu près là où t'es. Où il t'a battu, je pense. On dirait que j'ai la tremblote. Donc je reteste. Comment t'as fait Wolf pour la battre? T'es passé en dessous? Je suis arrivé par derrière, ils sont en formation donc t'arrives par derrière, j'ai ralenti un peu et j'ai aligné le dernier au canon. Et est-ce que t'engages tôt? Parce qu'en fait moi j'engage peut-être trop tard quoi. Bah, tôt. Je connais pas la portée en fait, je connais pas la portée du truc quoi. J'en sais rien, moi j'étais assez proche. Hein. Est-ce que là je pense que je suis assez proche? Oui. S'ils peuvent me tirer dessus, c'est que je suis assez proche. Ah merde, j'ai vous croisé là, j'ai coupé trop tôt. Ah, il me tire dessus. Putain, ils m'ont. Ils t'ont touché? Ah! Mayday, mayday! Il manque quelque chose à gauche. Une aile? Non, c'est pas ça que je voulais faire! Ah oui, une aile! Ah non! Oh, ils sont où là? Ah bah, je les croise. Je voulais faire contrôle E. Trois fois pour m'éjecter. Perdu une aile. Maintenant on va les suivre et on va voir Wolf arriver. Je me rapproche. Ah oui, ok, t'es en dessous. Ok. Si vous voulez voir à la vue cockpit en VR de Wolf, hein, c'est ici que ça se passe hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ah, ça y est, la flaque elle est en train d'engager. Moi j'ai l'impression que je dois me rapprocher un peu plus pour tirer, mais en fin de compte je peux tirer de plus loin je pense. Oh GG Wolf! Oh c'est beau ça, la petite manœuvre et tout là. Ils t'ont même pas tiré dessus? Non, j'ai pris celui qui était le plus bas dans le virage. Je vais me faire découper. Ça vibre! Vous comprenez pourquoi je perds tout le temps en dogfight contre Wolf? Il fait des manœuvres que. C'est comme toi, ça vibre. Ah ouais, t'as tout qui bouge à l'intérieur. Ouais. Pourtant, ouais, c'est pareil, t'as pas de l'extérieur, t'as pas de dégâts. Par contre, fais gaffe, t'en avais pas un autre derrière toi? Non? Je sais pas où est le deuxième. Bah, c'est ça, ouais. Je l'ai vu partir, mais. J'ai perdu mon moteur. Il est en sur-régime. Ah, il y en a un dans ton dos, ouais. En T6, le Wolf qui est en train d'arriver vers toi. J'ai perdu le moteur. Il est en sur-régime et j'ai quasiment pas d'ata dessus. Ok. Allez, si j'arrive au moins à descendre celui-là. Et rentrer vivant. Oui, ce combat. Entre un bombardier A20 et un Messerschmitt BF-109. Oh là, ça c'est la flaque. On va se mettre dans la vue du bombardier si c'est possible. Ah, c'est bien que je le rattrape pas quand même. C'est lui ou pas? On voit Wolf en bas là. Il rattrape plus, c'est pas possible, il peut pas aller aussi vite. On va à la même vitesse, quoi. J'ai l'impression que. Il n'y a pas de terrain sur lui, donc perd pas. Il a deux moteurs qui marchent, lui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, l'équipe lance, elle est là. Ah, il y a une petite flaque cachée là. Oh, il a pris. Ouais. C'est toi Wolf, bon, il est où c'est la flaque? J'en sais rien, j'ai mis une rafale, même pas si j'ai touché. Je sais pas ce que il moi est où le deuxième. Attends, je te dis, il était dans T6 tout à l'heure. Je peux te dire ça, il est où? Lui il est. Bah il est toujours à côté de 40 ans. Ouais, il est sous moi. Ah ouais.
Exact. Il remonte là, il y a la flaque qui... Ah non, il tire par terre, tiens. C'est... Ouais, il me tire dessus. Non, mais t'es vraiment pas là où il tire. Regardez, il est là, le père Wolf. Oh, dommage. Oh là, si t'arrives. Tu fumes, Wolf. Ouais, il m'en a mis une. Ouais, Wolf, il a un casque vert. Ouais. Et j'aimerais bien tester avec la VR ce jeu. Tu perds de l'eau, Wolf. C'est possible. Ouais, j'ai la température qui grimpe. Il a pas pris de dégâts encore. Kamikaze. Oh, tu l'as eu. Ah, il repart. Il repart. Oh, allez, Wolf, redresse, redresse. Oh, bien on joué. Est où? Il est en train de perdre de l'altitude. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais j'ai l'impression que tu l'as touché. Non, même pas. Il a juste fait un piqué. Oh, je l'attaque. Oh, bien joué, le moteur droite. Allez, ma kamikaze. Oh, putain. Ah non, je suis pas kamikaze. Ah, tu l'as bien engagé quand même, hein. Tu l'as bien touché là. Il essaie d'atterrir ou c'est bizarre, non? En tout cas, il est très bas là. Hein. Je crois que le pilote il est mort. Attends, on va voir ça tout de suite. Ouais, toujours vivant. Hein. Puis l'avion, il a pas l'air d'avoir pris de dégâts, pourtant tu l'as touché. Hein. Oh, là, il a joli. Bon, bah, je pourrais rentrer avec mon avion en panne. GG Wolf, bravo à toi. Et on suit un Mr. Schmidt en mauvais état, mais qui a accompli sa mission. Putain, comment ça vibre. C'est infernal. J'ai jamais vu ça. Ouais, t'as le truc au milieu, là, le cockpit qui tremble dans tous les sens, là. Ouais, j'ai un bout de planche de bord qui tourne dans tous les ouais, sens, mais qui est à fond, et puis le reste du cockpit, c'est machine à laver, quoi. Donc là, Wolf va atterrir. Ouais, enfin, va, c'est vite dit, je crois. Persian Golf en F-18, je me régale. Bah, du coup, cette map, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien la voir, mais avec le F-14. Donc, il y a une map gratuite qui va sortir dans quelques mois, années, je sais pas. Mais voilà, moi c'est vrai que c'est le seul jeu d'avion que j'ai touché, hein, parce que j'avais fait un peu de War Thunder, mais vraiment un tout petit peu vite fait. Et donc c'est mon premier jeu d'avion, et bah j'aime bien, c'est Wolf qui m'a initié, et mon premier vol c'était en SU-25, c'est gratuit. Vous pouvez le tester gratuitement hein, sur Steam ou même sur le site, vous avez deux modules gratuits, le SU-25 et le TF-51, c'est la version civile du P-51. Bon alors, on croise les doigts. Les volets sont baissés. Facile, c'était facile ça pour Wolf. Attends, je suis pas encore sorti. Même avec... Ah, fais gaffe devant toi, il y a un... Ouais, mais ça freine plus, j'ai plus de contrôle, j'arrive plus à... Bon, Au moins tu t'es posé, hein. Il sera pas trop cassé, j'aurais rayé un peu la peinture en plus. Oh bah là je pense que ça va partir en longue réparation. Alors maintenant on va passer au jeu pour la réparation, c'est Planet... Plane Mechanic Simulator. Mais regarde comment il tremble, regarde ça. Je vois ton train avant qui est en train de trembler. Il bondit. Attends, est-ce que j'arrive à couper? Oh là, oh là. J'ai cassé l'appareil en coupant, t'imagines? Ouais, est-ce que je vois ça, ouais. Au moins t'es rentré vivant. Bah GG Wolf hein. Ouais, c'était pas évident, hein. C'est des trucs comme ça, je me passerais bien.